Du beurre, du sel, de la mayonnaise. Et je fais frire le tout pour obtenir une surprise bien grasse et parfaite pour avoir un arrêt cardiaque. Voilà pour vous. Cette préparation onctueuse me plaît beaucoup. Cela fait bien ressortir les muscles de Larry. Sauce étrange. Qu'est-ce que vous dites de ça, Monsieur Krabs? Je l'ai baptisé Diamant sur canapé. La classe, hein? Serre les tant que c'est chaud, Patrick. Attends, ce sont vraiment des diamants sur les pâtés? Oui, vous vouliez des bijoux gastronomiques. Alors j'ai trouvé ça pour la garniture. Une boîte pleine. C'est pas vrai. Délicieux. J'adore les bons petits plats délicieux. À mon tour. Hein? Ouais, trop bon, hein! Un pâté de crabe à moitié mangé. Deux cornichons moignis. Et de la purée en forme de tête de Carlo. Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors, petit, elles arrivent, ces pizzas? Presque cuites, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème, un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza? C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe? Des pâtés de crabe? Mais où tu te crois? Au crabe croustillant? C'est la journée idéale pour faire un pique-nique. Oh, Herbe, c'est comme une seconde lune de miel. Oh, regarde Timmy et Sally, ils jouent au frisbee. Vas-y, lance, petite sœur. Je voulais dire que je vais être vraiment triste quand tu vas partir au lycée. Oh, Sally, fais pas ta pleureuse. Tu veux que je te dise, il restera toujours ton grand frère. Il commence à pleuvoir, non? Rien ne viendra gâcher cette journée parfaite. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? T'as un truc dans l'oreille? Oui, c'est ça, ça doit être ça. Ah, qui fait sa pleureuse maintenant? Attention parce que je vais lancer. Ah, quoi encore? Trop de ouhou, c'est quoi? J'ai une cornichon à mon œil! Ça arrive tout de suite. Dis donc, tu t'es bien amélioré, Bob. C'est le meilleur milkshake que j'ai jamais bu. Bonjour, Seigneur Taco. Je peux avoir un travail, pour favor? D'accord. Voyons ce que tu sais faire avec un burrito. Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je veux bien. Tu es viré. Tada! Voilà un cadeau. Un cadeau qui te ressemble. Avec leur piquant, les ananas ont l'air méchants. Mais après, on s'aperçoit qu'ils sont très doux. Et bien souvent, ils peuvent même être délicieux. Comme toi. Et bonne journée, cher client. Monsieur Krabs, cette
saucisse a le même goût qu'un pâté de crabe. Peut-être pourrions-nous l'ajouter à la carte. Ça ne m'impressionne pas. Je l'ai faite avec les restes que j'avais. Ça m'impressionne. Grâce à lui, je sais enfin préparer de la crème chantilly pour une dizaine de convives. Gary, tu devrais peut-être appeler la NASA. Parce que cette crème chantilly, elle vient pas de ce monde. Mon pain surprise. Chaud. Le manuel nous encourage à faire preuve de créativité pour remplir notre pain surprise. Du coup, moi j'y ai mis des œufs mayonnaise. Oh non, j'ai oublié d'en racheter. Tant pis, on s'en passera, c'est pas grave. Du ketchup. Des bananes, des cerises, trop fades. Oh, beaucoup mieux, des oignons. T'es prêt, Gary? Oh.